écoutez, en attendant que mon armure se recharge, ce que je vous propose, c'est on va mettre la draw upgrade sur mon arc. Parce que je pense que c'est ma faculté à tirer des flèches plus rapidement. Et je pense que ma vélocité, je vais en avoir besoin. Donc on va faire ça rapidement. Donc c'est pas compliqué, je vais mettre mon arc ici. Et alors, pour la draw upgrade, hop, usage. Donc premier tiers, il me faut des golden apples, des diamants, des under eye. Donc les golden apples, j'ai utilisé celles que j'ai sur moi. Il me faut, j'ai dit diamant et Under-Eye. Ok. Donc, l'Under-Pearl qui est là, je la virerai. Le Crescent Tamer, j'en ai plus besoin. Hop, je vais faire ça. Ça. Et ça. Ok. Donc, on va dire, ben, Golden Apple. Alors oui, je dispose comme ça, parce que moi, je suis sûr de rien oublier. Hop, hop, et là, si je dis pas de bêtises, c'est des draconic corps, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça, draconic corps. Non, c'est pas, je me suis pas trompé de craft, mais c'est des draconic corps, ouais, c'est ça. Hop, c'est bon, allez, premier upgrade, ça coûte pas bien cher, ça, c'est pas trop un souci. Ok, donc... Ça, ok. Le prochain me demandera de... Ah, ça lag un peu. De l'émeraude. Je crois que ça me demandera un Wyvern Core. Et des Draconiques. Et des Nether Stars. Ça demandera des Nether Stars aussi. Il me semble. Hein. Le tier 2. Nether Star, Draconic Core, Émeraude. Et un Wyvern Core. C'est ça. Hop. Donc... On peut déjà remplacer ici. On va remplacer ici. Le diamant, on va remplacer par de l'émeraude. Ok, ici, il faut remplacer par truc. Et hop. Et les Underrails, on remplace par les Draconic Core. Voilà. Donc il faut que je remette mon arc dedans. Donc ça c'est le tiers Wyvern, je crois. C'est ça, c'était le tiers Wyvern. Et le troisième tiers, il me faut des Wyvern Core, des Gold Emerald. Ah, est-ce que... Ah merde, j'ai plus de cœur draconique là. Est-ce que je le laisse en wyvern résultat? Je vais le laisser en wyvern. Tant pis. Parce que si je dois me faire un draconic corps, quoi que je peux me le faire. Je peux me le faire le draconic corps, c'est pas un souci. Alors le draconic corps. Non, c'est la Wakened. C'est la Wakened Core. Il me faut des Wyvern Core et les 5 lingots. Ouais, c'est ça. Donc, ça, on s'en fiche. Tout ça, pour le moment, je peux ranger. Donc, il me faut 1, 2, 3, 4. Et après, il me faudra 5 lingots. Mais déjà, je vais poser ça. 4. Et je disais, ouais, bah, 5 lingots. Voilà, et c'est autour d'une Nether Star, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ok.
Alors, la Wizard Naviera là, enfin la Wakanda d'ailleurs là. Ensuite, il me faut donc, comme je disais, les Wizard Core. Il va en falloir deux. En soi. Donc deux. Les Draconiques, j'en aurais pas besoin. Ça va aller là. Alors, la draw upgrade. Ouais, de toute façon, c'est tous les mêmes, hein, mais. Donc, le tir draconique. Tac-tac. Et deux blocs d'émeraude. Hop. Hop. Deux Nether Star. Deux blocs d'émeraude. Hop. Ouais, allez, hop, c'est pas. Franchement, l'endroit où on les met, c'est pas forcément important. Hein. C'est du moment que les ingrédients sont là, hop, voilà. Bon, ça va prendre un tout petit peu de temps. Mais voilà, on va voir où en est l'armure à ce niveau-là. Eh ouais. Eh ouais. Ah bah ça va. Moi est-ce que les godasses? J'ai quasiment tout l'armure. Il est encore en charging. Ouais, ça bouffe de l'énergie, tout ça. Eh encore, j'ai encore de l'énergie ici. J'ai encore de l'énergie ici. Donc c'est pas. Ça va encore. Et ici ça suit. Mais ça se vide. Ça suit, mais ça se vide. Voilà. Ah non, 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 elle. Non, non, je sais pas. Si, si, c'est bien ça. Ça va juste beaucoup plus vite. Bon. Mais ça draine masse. Ça draine masse. Faut dire ce qui est au niveau énergie, ça draine pas mal. Bon, c'est pas ça, c'est pas trop le problème. Ça m'a encore tout pompé en énergie. Je fais une upgrade, ça me pompe tout en énergie. C'est trop. Ah. En vrai, ça, je le rechargerai plus tard. Là pour le moment, j'en ai plus besoin. On va attendre. Là, faut que ma base se recharge, là, parce que c'est insane. Bon, les godasses, c'est tout ce qui me manque. C'est un peu con. Bon, bah en attendant, je vais gérer un peu de ressources. À tout de suite. Bon, pour la gestion de ressources, voilà ce que j'ai changé. J'ai rajouté des drawers full upgrade pour tout ce qui est Biomo Plenty. Avec un drawer exporteur au-dessus. Oh, j'ai oublié ça. J'ai oublié ça. J'ai oublié le. Il y a un câble que j'ai oublié. Attendez. Hop. Allez, ouvre-toi, s'il te plaît. Merci. Hop, un petit câble. J'ai juste oublié de rajouter un câble ici. Hop, pour que voilà, l'exporteur fonctionne. Hop, voilà. Enfin, ça c'est le storage et ça c'est l'exporteur. Donc actuellement j'exporte tout ce qu'il y a dans mon disque là. Je l'envoie dans les drawers parce que il y avait beaucoup au niveau Biomo Plenty, voilà, qui traînait.
Donc tout ça, ça va partir dans les drawers et libérer un poil le disque, je pense. Surtout de tout ce qui est bien authentique, quoi. Ouais, c'est stable. C'est stable, mais ça continue à augmenter. Bon, allez, on y retourne. On y retourne. Donc j'ai tout, j'ai mon armure complète, j'ai tout. Donc là, on va partir donc sur l'idée de focus en fait les, comme pour l'Enfant Dragon en fait, c'est de focus les healers. Et après, on le focusera lui. Le truc, c'est de réussir à résister à ses assauts. Donc, il faudra quasiment constamment être. Mais quel... Non, c'est pas possible. Il vient de me bouffer la moitié de mon énergie. Non, mais il est pas possible. Faut... falloir qu'on s'y mette à plusieurs. Il est pas solotable, il est pas solotable, c'est pas possible. Il m'a bouffé la moitié de mon énergie en quelques secondes. J'y retourne, hein, mais ça me paraît compliqué, quoi. Mince. Question, c'est est-ce que je peux atteindre... Putain, mais il est là! Quand ça se fait qu'il a paru là? Il m'a contourné, l'enfoiré! Je réfléchis, hein, mais là c'est complexe. Là, je vous avouerai, c'est extrêmement complexe. Est-ce que il faut que je rajoute attendez, juste je regarde un truc, mais. Question idiote, mais si je rajoute un protection sur mon armure, est-ce que ça aiderait? Parce qu'après j'ai rien d'autre. Après j'ai pour le réacteur. En vrai, il faudrait que je puisse voler plus vite. C'est surtout ça le truc, c'est qu'il faudrait que j'aille encore beaucoup plus vite que ça, quoi. Pour lui échapper, parce que le truc c'est que là, quand je suis dans ses pattes, en gros, quand il me charge, il me détruit mon armure, quoi. Au corps à corps, il me défonce.
Aïe, 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 c'est assez dingue. C'est assez dingue comme truc. Bon. Bah, je pense qu'on va attendre que Zenzari soit en... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dû mettre un truc là-dedans. J'ai dû mettre un... Non. Je me souviens pas avoir mis ça. Et Harry peut pas poser des blocs chez moi. Ah mais oui, son a... Je crois qu'il peut pas casser sa tombe parce que les chunks sont climb. Ça faudrait qu'on voit. On va faire ça. On va aller voir un petit peu Zari pour ce, voilà pour tout ce qu'il a fait dans sa base et puis surtout que il a dû jouer hier et je sais pas ce qu'il a fait. On va aller jeter un œil à ce qu'il fait. Il m'a dit que de toute façon ça ne dérangeait pas, qu'il ferait pas lui de vidéo. Je vais vous montrer où est-ce qu'il s'est installé. Je vais me mettre à partir du builder. D'accord. Alors, il avait mis un. Alors, si vous vous souvenez ici. Ah, j'y arrivais. Ici, c'était le builder. Voilà, avec les chunks que j'ai chargés et tout. Il a protégé donc tous les drawers là où je lui ai mis. Voilà, donc il peut piocher dans les ressources qu'il y a là s'il veut. Et en gros, il va s'installer dans les montagnes qui sont là. Ça lui plaît beaucoup en fait, toute cette zone montagneuse qu'il y a là. Donc c'est ce qu'il va utiliser. Il a des, voilà, il a des projets de design. Là, je sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Il a voulu faire une entrée de grotte. Et en gros, après, voilà, ça s'enfonce. Donc il m'a demandé des ELFM pour faire ça. Voilà. Et donc, bon, déjà, il récupère donc ses premiers minerais comme ça. En faisant cette énorme grotte et je sais pas trop ce qu'il compte faire. Est-ce qu'il compte faire le un peu l'entrée de la grotte de trésor de Aladdin, j'en sais rien. Mais voilà. Bon. Donc pour le moment il y a ça. Voilà. Et il a creusé un début de base ici. Est-ce que ça évolue ici? Pas vraiment. Il y a encore du nickel là qui traîne au plein milieu. Voilà. Il a pas claim ses chunks, donc je peux ouvrir ses coffres. Je peux regarder un petit peu tout ce qu'il a, il a mis des trucs à cuire, mais je lui mettrais bien un chunk loader, résultat. Je lui ferais bien cadeau d'un chunk loader. Pell Dust, d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il voulait faire le portal gun. Il trouvait ça cool, l'idée de pouvoir faire le portal gun. Bon, il y a ça, et je sais que j'ai mis un waypoint là, mais voilà, il y a un trou dans... Ah, il a changé? Non, non, le trou il est là. Le trou il est là. Voilà. Alors ici je lui ai montré comment faire une smelterie. Donc la smelterie c'est moi qui l'ai construit pour lui montrer. Donc il a appris à s'en servir. Voilà, bon. On était entre potes, on a pas mal déconné. Voilà, ici, tiens, d'ailleurs la deuxième je vais la récupérer. La Blitzrod. Oh, soit je m'en fiche, le Niter et tout. Coffee Beans. En vrai, c'est un truc que je kifferais, c'est me faire du café. Donc, je vais les prendre, ces trucs-là. Alors, il m'a dit que ce coffre-là, c'était pour moi. Voilà. Et on a passé une soirée, donc je l'ai initié un petit peu au modé, parce qu'en fait, Harry n'a jamais fait de modé hein, avant. Donc voilà, donc je lui ai appris à faire une crafting station. Et il a fait avec moi deux machines. Et je vois qu'il n'a pas énormément évolué plus. Donc l'induction smelter et le pulvériseur. Parce que il voulait se faire. Alors le. L'énergie cell, c'était moi qui l'avais fourni pour qu'il commence avec un petit peu d'énergie. Ce qu'il voulait se faire. Le premier truc qu'il voulait se faire en fait c'était ça. Et c'est vrai que c'est pas idiot, mais ça demande déjà des machines de base. C'est ce flux infusé d'Hammer.
Donc avec du fluxé d'électrum ingot. Voilà, donc il lui fallait un Diction Smelter pour faire du fluxé d'électrum blend. La redstone déstabilisée, même s'il en avait trouvé un petit peu, je lui ai dépanné de quelques sauts. Voilà, donc je l'aide un petit peu pour débuter, mais voilà. Après, bon, bah, pour faire les flux cristal, voilà, il lui fallait aussi ça. Et pour faire les. Non, attendez, hop. Pour faire les sticks. Voilà, pour faire les obsidian rods. Des blaze powder, ça il en avait. Et la pulvérisée d'obsidienne, bah oui, voilà, il a trouvé l'obsidienne lui-même, donc voilà. Donc, à part un petit peu déstabiliser de redstone, lui montrer comment faire la smelterie et quelques petites indications, ainsi qu'une énergie cell pour qu'il puisse commencer en énergie. Voilà. Là, sa prochaine mission, ce sera de faire l'énergétique infuseur pour recharger son hammer. Parce que là, son hammer, bah, résultat, il est chargé une fois. Parce que je l'ai chargé une fois dans ma base. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il est mort dans ma base. C'est parce qu'il voulait utiliser mon infusion. Ah, peut-être un de mes énergétiques infuseurs pour recharger son hammer. Peut-être que c'était pour ça qu'il était dans ma base. Mais je suis pas sûr qu'il puisse utiliser ses claims. Et ouais. Je crois que c'est pour ça. Je crois que c'est pour ça qu'il est mort dans ma base. Et c'est con s'il est mort dans ma base parce que son résultat, sa tombe est sous claim. C'est un petit peu idiot, mais voilà. Bon, après le spawn, il est là-bas, voilà. Donc il va se poser là. Mais ça m'ennuie, il a pas énormément évolué hier apparemment. Il s'est connecté hier, mais ça a pas énormément évolué. Faut vraiment que je lui mette un chunk loader là, parce que. Iron, ça c'était du silver. Je sais pas pourquoi il a besoin de silver. Bah peut-être pour l'énergétique infuseur, je crois qu'il en faut. Bon voilà, donc ça c'est là où Zary va se poser. Voilà. Alors demandez pas à rejoindre le serveur, hein. Franchement c'est. On sait ça entre amis, c'est parce que voilà, lui ça l'intéresse un peu de se remettre à du Minecraft modé, enfin à du Minecraft et découvrir le modé, ça l'intéresse un petit peu. En fait avec Harry, on joue régulièrement à des jeux entre nous. Voilà, mais lui, il est pas youtubeur, ça l'intéresse pas de faire des vidéos, il a d'autres projets. Donc voilà. Mais voilà, c'est ce qu'il fait, quoi. Après, bon, il compterait partir un petit peu comme moi au début, c'est-à-dire l'énergie à base de lave. Aller puiser dans enfin, dans le Nether, un peu de lave. Et puis voilà quoi. Et puis à mon avis, quand je vais lui montrer qu'il existe des lava générators, à mon avis, il va se dire bon, on peut pas utiliser un lava générateur avec des générateurs de lave. Enfin avec des lava généra des générateurs. Enfin si on enfin, comment dire? Ces machines-là. Je vous avais expliqué ça au début de la série, mais ça demande 200 000 RF pour faire un seau. Et pour alimenter un générateur à lave. Toc, toc, toc. Donc on a le lava fabricator et on a le lava générateur. De Under.io, je sais pas où il est. Non, pas Under.io, de. Bah mince. Generator. C'est le Magmatic Generator, c'est ça. Le Magmatic Generator, en fait, il demande beaucoup plus. Enfin, il. Comment? Si on l'alimente avec un lava fabricator, en fait, le lava fabricator consomme plus d'énergie qu'il va nous produire de lave. Donc, c'est pas rentable de le faire, hein. Je vous annonce tout de suite. Mais voilà.
Mais après, l'alimenter avec des Zonders ou des... Ah, peut-être que le ET de rester un générateur, peut-être, j'en sais rien. Peut-être que le générateur de dessus permet de le faire. Mais en vrai... En vrai, voilà. Bon. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah oui, il a aussi chopé ça. Le Basals, qui est un autre... qui est comme les Blitz, qui est comme les Blizz. C'est une sorte de Blaze modifié. Mais j'ai pas... J'ai pas forcément... j'ai pas forcément trouvé l'utilité pour ça. C'est balle... Base... Voilà, si je regarde l'usage du basals, on peut en faire que ça. Ouais, on peut en faire que des powders. Les powders servent à faire du pétrothéum dust. Le pétrothéum dust peut servir à faire cuire, entre guillemets, en mode craft, faire cuire des items, mais comme la smelterie, comme beaucoup de choses en fait. C'est pas forcément utile en vrai. En plus, il y en a qui demandent en plus du pyrothéum. Donc, en vrai, ça a une utilité assez réduite. Pour ça, ensuite, dans le magma crucible, ça peut faire de la tectonique. Bon, on va voir un peu à quoi ça ressemble après, mais. Ok, après on peut ouais, faire du séparateur pour éventuellement générer de l'obsidienne, mais voilà. Parce que le craft de ça, c'est... Ouais, en fait, on récupère le craft, quoi. Ça, c'est le centrifugal, c'est le centri... le ouais, le centrifugal, c'est pour récupérer les ressources, sinon... Ah! Smashing. Ouais... On peut le mettre dans un réactant dynamo pour faire un peu d'énergie, sinon, mais pff, non, pas aucun intérêt. Ou avec l'Elemental Catalyzer en plus, on peut générer un peu plus d'énergie apparemment, non? Non, c'est pareil. Ok, donc à part... et donc la tech machin, la tectonique là. Ça sert pour le tectonique qui n'a... Bien sûr, ça permet faire de l'aquamarine. En gros, ça permet de cuire et traiter des ressources. Mais c'est pas spécialement utile en vrai. C'est pas forcément utile le basalt en vrai. Donc mais ça peut se faire quoi. Ça peut se faire. Ben voilà. Ça augmente. Et puis ben, je vais recharger à nouveau mon armure et on retente un troisième essai. Tiens, hop, j'ai déjà le casque. Ah oui, le cacao, on peut regarder à ça. Tout ce qui est coffee. Moi, j'aimerais bien, moi, faire du café. Alors, j'ai vu qu'il y avait une machine à café dans un village, mais quand j'ai essayé de le casser, ça m'a... Ah, c'est du Actual Edition. Ouais, ok, d'accord.
Enfin, Void Crystal. Iron Casing. Vas-y, on va faire le craft auto de ça. Non, je peux pas. Je peux pas parce que. Ouais, enfin, si je peux, mais. Alors, question. Le. Cold Coffee, là. Non, le. Stone Mug. Vas-y, déjà, on va faire ça. Keystone Mug. Ce qui permet de faire. Ouais, ça c'est pour faire le café froid. D'accord. En vrai, il n'y a pas spécialement besoin. En fait, on fait du. Coffee beans. Parce que là, j'ai coffee. Oui, coffee seed et coffee beans, c'est ça. Donc en vrai, je peux déjà en faire. En vrai, il suffit juste de faire chauffer. En fait, faut faire juste du cold coffee, et on le fait chauffer. T'as 42. Ça donne 40 de saturation à café. Ça donne 3 de... 4 de bouffe et une saturation de malade. En vrai. Ah, mais le coffee maker, ça serait cool. Ça serait cool vraiment d'avoir une cafetière, quoi. Donc, on va faire ça. On va faire un. On va faire ça. Il faut que je vois comment ça peut pousser. Parce qu'il faut faire une petite récolte de beans. Est-ce que ça se. Parce qu'en vrai, le café, c'est un arbre, hein. Donc, est-ce que ça cuit? Est-ce que c'est plutôt comme les fèves de cacao? Et il faut les mettre sur de la jungle wood? Que je n'ai pas d'ailleurs, et vu que j'ai réuni, enfin j'ai perdu la carte moi, le comment dire, dans JEI, si je vais dans le si je vais au spawn, ça lag. De nuit. Disons que la carte, bah, vu que j'ai changé de vu que je suis passé du mode solo au mode serveur, la carte, bah, en gros, j'ai réinitialisé en fait la carte, ce que j'avais découvert. Donc toute cette partie-là que j'avais découverte, ça y est plus, mais la carte reste la même, hein. Donc en fait, il faut surtout c'est que je retrouve. J'avais avant quand je parcourais Calbium, j'avais. Mais il faudrait que je reparte vers l'ouest. Faut que je reparte vers l'ouest. Je sais qu'il y a une jungle, mais loin, loin, loin à l'ouest. Donc, je vais chercher du wood. Et même essayer de planter la coffee beans dessus pour voir si c'est bien ça qui fonctionne. Après, il faudrait que je demande plutôt à Zari où est-ce qu'il en a chopé. Ce serait peut-être plus simple. Bon, j'ai visiblement dévié de ma trajectoire. Donc, je me refais un waypoint aux coordonnées où c'est censé être. Et je vais m'y TP. Ouais, je me suis planté de 1500 blocs. Je suis. En fait, je suis un peu parti de travers.
Et en fait, je suis à la bonne, comment, à la bonne, à gauche, bien, mais c'est plus au sud en fait. Donc, je mute TP. Hop, c'est pas compliqué. Je me fais un petit, hop, voilà. Voilà, j'y suis. Alors, on va regarder ça tout de suite. Est-ce que ça se pose sur un arbre? Non, ça ne se pose pas sur un arbre. Est-ce que ça se pose sur de la terre? Non. Est-ce que ça se pose, enfin, sur du sol? Non. Ça se pose pas en terre non plus. Donc apparemment, ça doit être dans du dans de la farmland, certainement. Je vais me faire rapidement. Une petite houe, très rapidement, comme ça on va pouvoir voir. C'est ça. Ok. Ok, donc ça se fait alors. Ok, j'ai donc j'ai les infos qu'il me fallait, mais en fait ça se trouve pas en forêt. Bon, quoi qu'il en soit, si j'ai besoin de la forêt, au moins je peux revenir ici quand, enfin de la jungle, je veux dire, je peux revenir ici quand je veux. J'ai mis le waypoint. Voilà, fallait que je le remette. Hein, de toute façon, c'est juste parce que jusqu'à présent j'ai eu la flemme de me taper la route. Faut dire que. Presque 4500 blocs, c'est pas à côté quoi. Bref, allez, on est reparti et ben on va faire ça. On va faire ça en attendant que l'armure se répare, enfin se recharge. Même si je pense que là, à mon avis, vu le temps que je suis parti, je dois avoir quelques pièces d'armure à mon avis qui doivent être voilà, j'ai le plastron qui est rempli. Le pantalon, ça va pas tarder. Bien, et eh ben écoutez, petit farmer dans ce cas. Hein, on va refaire un petit farmer d'Actuali Edition, je pense. Puis on va se faire ça là. Ça va être bien ça. Oh non, mieux que ça. Oh attendez, est-ce que ça fonctionne ça? J'enlève les carottes. Oh oui! Mais oui, ça fonctionne! Ah, ça fonctionne du tonnerre, c'est génial! Mais oui! Voilà, on va pouvoir se faire du café quasiment à l'infini. J'aurais qu'à me mettre à AFK ici. Je vais mettre une petite dalle par contre. Petite slab. Hop. J'aurais visé la. Ah oui, évidemment. Bon, bah, ce sera comme ça. Ah, c'est cool. Non, c'est cool. Je peux juste faire ça comme ça. Bon. On va faire un petit peu de café. Ah, j'ai mal cliqué. Faut cliquer sur Done pour valider qu'on le passe en off, sinon ça marche pas. Alors, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, j'ai été à Mathusalem pour pas grand-chose, mais c'est cool. Ouais, du coup, hop, les seeds, on peut les envoyer, voilà. Et puis on va se faire un petit peu de café, c'est cool. Donc, il me faut Stone Mug, en vrai, attendez, le hot coffee, non, il me rapporte rien.
Non, c'est le cup of coffee. Hein. Non, non, il faut. Apparemment, le café comme ça rapporte pas grand-chose. Oh, mais je peux faire un storage de café en fait. Attendez, c'est bizarre, c'est. Non, ça c'est de l'Industrial Craft. On va prendre Actually Edition. Actually. Ok. Et on va regarder pour. Bah déjà pour une cup. Parce que visiblement, c'est pas la même. Ouais, c'est pas le même. Un petit cup. Je comprends pas. L'empty cup se fait avec une graine de café. Donc on va faire café beans. Donc celui-là, il n'est pas utile, c'est pas le bon. Hop. Donc avec la café et coffee machine, là, voilà. Il me faut le coffee maker. Alors, je vais juste les faire comme ça, mais. Non, même pas en vrai. Quoi que si, parce que tout ce qui est basic coil, tout ça, faudrait que je l'apprenne à faire. Faudrait que je l'apprenne à le faire, tout ça, parce que. Non, c'est pas le bon. Je vais l'effacer après. J'ai pas mis le. Hop. Ok. Alors, le iron casing. C'est de l'iron ingot et du black quartz. Hop. Voilà. Donc, ça, il sait faire. Le black quartz, il me semble qu'il sait faire, hein. Il me semble qu'il sait faire, mais on vérifiera après, sinon c'est pas grave, hein, je lui ferai faire. Alors les coils, ok comme ça, mais il ne saura pas faire, il saura pas faire la Redstone Crystal. Ça faudra les faire. Faudra les faire, voilà. Et le Void Crystal, ça sert à rien, ce sera à l'usage. Ok. Donc la question c'est est-ce que du black quartz il sait en faire? Est-ce qu'il sait faire du black quartz? Eh non, il sait pas faire du black quartz. Alors le black quartz, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, faut faire cuire simplement du black quartz or, voilà. En vrai. Ouais, c'est parce que j'en ai pas énormément, mais en vrai, voilà, 256K en vrai. Juste en faire cuire un stack de plus dans un des furnaces. Ouais, allez-y, allez, vas-y, je vais. Hop, en process, on va le rajouter quand même. C'est histoire que si jamais j'en ai besoin. Mince. Voilà, c'est celui-là qu'il me faut. Hop. Voilà. Alors, dans les crafters, donc résultat, j'ai ces 4 machines à mettre. Eh bien, il va me falloir un nouveau crafter. Il va me falloir un nouveau crafter, mais en attendant quand même. Non, c'est le Redstone Furnace, hein, c'est ça. Redstone Furnace, voilà, c'est ça. Donc dans un Redstone Furnace, hop, voilà. On va mettre un petit peu de Black Quartz et il me faut un crafter.
commence à faire, hein. Hop. Oh, vous savez quoi? On va même l'automatiser. On va même automatiser la création de café. De façon à ce qu'on ait toujours une tasse de café prête. Ça sera super marrant. Coffee. Hop, coffee maker. Ah. Il me faut un beans. Il me faut. Ouais, donc il me faut de la redstone, du colle. Et un petit peu de voilà ça hop donc c'est pas compliqué hein redstone hop colle hop on est parti j'ai pas mon magnète sur moi Hop, voilà mon void cristal et mon redstone cristal, donc ça c'est bon. Et on a donc le coffee. Coffee créateur là, hop, start. Oui. On a une cafetière! On a une cafetière! Ok, ça consomme masse par contre de coffee beans. Ok, donc une petite tasse. On va faire quelques tasses. C'était des cups. Donc il va me falloir plus de graines. Donc coffee seed. Donc on va aller se refaire quelques coffee beans. En vrai, j'avais pas besoin d'en prendre, mais bon, c'est pas grave. Hop. Ah oui, exact. Ah, ça monte vite, c'est bien, c'est l'avantage. Bon, allez, hop, ça suffira. Ok. Hop. Ah oui, j'ai pas fait. C'est vrai qu'il va être un petit peu lent, lui. Hop. Mince, ça pattern ça. Quoi il sert ce pattern? Coffee maker. What? J'ai pas compris là. Je l'ai dupliqué? Il y a eu un bug de duplication, non? Je vous avouerai pas avoir compris là. C'est chelou. Bon, enfin bref. Hop, j'ai mis mes 4. J'ai pas bien compris ce qui s'est passé là. J'en avais fait un trou? C'est possible.
Bref, hop. Bon. Il manque encore des trucs. Alors. No effect. No effect. J'ai speed 1 pendant 30 secondes. On va se faire du café avec du sucre, hein. Soy milk, d'accord. Oh! On peut faire des effets de potions, mais temporaires. C'est fun, ça. Ça, c'est fun. Avec régénération pendant 5 secondes, hein. Avec une petite larme de ghast, en vrai. Eh, la petite larme de ghast, là. Gastiers. Ah oui, je suis con, c'est ça qu'il faut, c'est de l'énergie qu'il faut. Ouais, il lui faut de l'énergie. Ok. Est-ce qu'il va stocker, est-ce qu'il va garder oh, ça m'emmerde un petit peu ça que si on va le mettre en dessous là. De toute façon, en vrai, j'ai plus besoin de ça. En vrai, j'ai plus besoin de ça. Ça, c'est parce que je surveillais ma quantité de quartz parce que j'en avais besoin Hop. Ah, d'accord, ok, je vois le genre. On va le mettre là, lui. Voilà. Et donc lui, résultat, je peux l'alimenter par derrière. Enfin, même par en dessous. À coup de résonante, pourquoi pas, parce que sinon... Voilà, la cafetière qui bouffe de l'ampérage à mort. Hop, voilà, comme ça. Et donc, il a bien gardé le cacao beans dedans. Que je peux remettre. On va mettre des tasses. On va mettre des... Hein? On va cliquer sur OK. Ah, c'est ça, oui, je me souviens, il faut de l'eau. Vas-y, C'est vrai que j'avais vu qu'il fallait de l'eau. Voilà. Ok.